Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Animal Crossing parce que ouais, en ce moment on parle beaucoup de mon île sur le thème enchanté, mais comme beaucoup le savent, je squatte littéralement dans le plus grand des calmes la Switch de mon homme, voilà, pour avoir accès à une deuxième île. Et par contre là, je vous ai toujours pas parlé eh bien, du thème qu'on allait faire ou quoi que ce soit. Je vous avais fait une vidéo comme quoi je stoppais mon thème mexicain, mais je vous ai jamais repris eh bien tout simplement pour vous dire quels étaient les nouveaux projets de cette. Donc bien évidemment pour la team Twitch qui me suit là-bas, ben vous êtes déjà un petit peu au courant. Pour le moment j'ai juste rasé mon île mexicaine comme vous pouvez le voir, enfin rasé, même pas, à vrai dire j'ai même pas eu le courage de le faire. J'ai commencé à raser vite fait et puis après je me suis fait... Non mais moi les gars, en fait j'ai la flemme là. J'ai juste commencé les chasses à l'habitant de mon île, c'est à dire que j'ai pris Rona, j'ai pris Pietro et j'ai pris Estrella et tous les autres vont partir. Je crois qu'on avait dit qu'on prendrait Croquette, qu'on prendrait Miro, qu'on prendrait Gradube, qu'on prendrait un lion pour représenter un cirque. Oui, parce que dans ma fête foraine en fait je vais faire un petit peu un mix de pas mal de choses, je vais vous montrer, mais j'ai décidé de mélanger un peu avec le cirque. Un peu inspiration Disney, je vais vous montrer ça, j'ai fait une carte sur les sites que je vous ai présenté l'autre jour en vidéo. Et puis n'hésitez pas à proposer si vous avez d'autres habitants qui peuvent rentrer dans le thème fête foraine. Parce que voilà, moi j'ai juste Rona, Pietro et Estrella comme je vous ai dit, mais j'ai encore je crois de la place, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires, ça fera plaisir. Et puis aussi, petite information que je tenais à vous faire passer en début de vidéo. Vous le savez, je vous l'avais déjà dit il y a plusieurs mois, mais le serveur Discord ACNH News accueille gentiment ma communauté qui joue et qui est fan d'Animal Crossing. Donc voilà, vous avez le lien en description, n'hésitez pas à nous rejoindre, je suis active sur le serveur et même tout le serveur est actif en termes d'échange, etc. Donc voilà. Si vous recherchez un petit serveur Discord Animal Crossing qui est bien cool, et ben ça se passe en description. Bon, aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, on se retrouve pour les plans de mon île thème fête foraine. Voilà, l'île mexicaine va devenir un thème fête foraine. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à penser un petit peu au futur thème pour mon île, thème enchanté qui s'approche. Bah, c'est pas que je l'ai fini, mais c'est qu'on avance super bien, tu vois. Et j'avais envisagé le thème lunaire qui me tente de ouf. Genre, j'ai une idée de dingue pour ce thème. Le thème piraterie aussi que je vous avais proposé, pareil. J'ai aussi une idée que je trouve super cool pour le thème. Et j'ai aussi envisagé, avec les nouveaux items de la mage, le thème du roi lion, enfin, savane, avec des inspirations, le roi lion, parce que ça me donnait bien envie. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de pour les thèmes futurs, mais déjà là aujourd'hui on va se concentrer sur le thème fête foraine, il n'y a pas à divaguer comme ça finalement. En réalité je pense que je vais directement me mettre sur la map qu'on a designée sur Happy Island Designer, parce que sinon là ça va pas vous parler et ça va pas aller en fait. Alors nous voilà sur la map que j'ai commencé à faire en stream, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu pour celle-ci. Déjà bien évidemment que le design que j'ai fait est assez grossier parce que les proportions du site ne représentent pas forcément les proportions qu'on a dans le jeu. Mais attendez, je peux pas vous faire un truc genre comme ça? Attendez, je peux pas retoucher cette affaire? Écoutez, j'ai réussi à faire un truc en passant la map par-dessus. Bref, on va laisser comme ça. Comme ça, ça vous donnera l'impression que c'est ma map en fait dans le jeu. Ouais, on essaye de gruger quand on peut, tu vois, parce que j'ai pas avancé le remodule, donc du coup... Donc déjà, comme je vous le disais, pour la 50e fois de cette vidéo, on va partir sur un thème fête foraine, avec tous les petits coins qu'on a décidé pour cette île. Et vous expliquer un petit peu où est-ce qu'ils sont. Au niveau du Dodo Airline, elle commence par un parking. Voilà, parce que moi qui dis fête foraine veut dire parking. A savoir que ma fête foraine a un peu des inspirations de grands parcs très connus comme Disney. Mais ce n'est pas un thème Disney. Voilà, c'est que j'ai repris une certaine forme du parc, c'est-à-dire avec deux chemins qui passent sur les côtés de la mairie et une espèce d'allée centrale comme Main Street à Disney avec, je pense que je vais faire des espèces de boutiques sur les côtés. C'est pour ça que j'ai mis un peu du sable, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec... une espèce de traînée un peu plus rouge pour faire comme si à la limite il y aurait une parade. Et au fond, au début j'avais décidé d'y mettre une grande roue, mais au final je me suis rendu compte que c'était pas forcément adéquat, donc j'étais plus potentiellement partie sur des petits jeux comme des chamboultou ou pourquoi pas à la limite un carrousel. Vous savez, maintenant on a l'objet du carrousel qui est dans le jeu Animal Crossing, et avec une petite fontaine. En arrivé tout au fond de cette allée centrale, on aurait deux rampes pour pouvoir monter et là, à ce moment-là, avoir une énorme grande roue. Voilà, avec pareil un chemin qui fait le contour d'une fontaine avec, je pense, encore une fois, des magasins sur les côtés. Mais ça, je suis pas sûre. Je sais pas si je vais y faire des magasins sur les côtés ou est-ce que je partirais sur des petits... sur des petits stands ou... Ah, des petits stands, ça peut être une bonne idée en vrai. Ce qu'on va retrouver comme coin sur ce jeu, c'est déjà de 1, on va essayer, du moins, de faire des montagnes russes.
Voilà. Donc là, c'est le coin que vous voyez à l'écran, où il y a trois maisons qui seront cachées. J'ai décidé de cacher trois maisons d'habitants derrière les montagnes russes. Voilà, parce que je sais pas trop où est-ce que je vais placer les maisons d'habitants. Il y a certaines maisons d'habitants qui vont servir dans mon décor pour me servir d'eux, comme eh bien, les forains qui font tout simplement monter les gens dans les attractions. Mais il y en a d'autres, je sais pas quoi en faire. Donc du coup, j'ai décidé d'en cacher trois, comme ça je suis débarrassée. Et je vais essayer en fait de jouer sur la luminosité du jeu, c'est-à-dire comme pour mon île Noël, pour ceux qui avaient vu ça, en fait, quand tu es très tôt le matin, si tu te mets assez loin, donc là du coup derrière la mer, tu vas avoir une vue de ce que tu as fait en espèce d'ombre, enfin en ombrage, et je vais essayer de compter sur ça pour faire mes montagnes russes, mais je sais pas si je vais y arriver, donc ça c'est un peu une zone qui est en mode suspens, tu vois, on sait pas trop si ça va. Sur les côtés on aura des petits stands, donc là j'ai pas mal d'idées, comme le chamboule tout, comme tout simplement des stands de bouffe, le stand des jetés d'anneaux, on a aussi tout ce qui est les stands de tir, les pêches à la ligne, donc voilà, on verra bien dans quel ordre est-ce qu'on les met. Là, l'endroit que vous voyez avec la maison, c'est tout simplement mon lieu où il y aura les autotamponneuses. D'ailleurs je me demande quel habitant pourrait faire un petit peu le stand d'accueil des autotamponneuses. J'ai déjà un petit peu décidé comment est-ce que j'allais faire ça, avec quel objet et tout. Vous avez en plus des suggestions d'habitants, des suggestions d'objets surtout, n'hésitez pas. On fait un thème communautaire ici. En fait c'est mon thème, mais vous m'aidez à le réaliser littéralement, etc. Et en fait on aura une partie dans laquelle on rentrera dans le cirque. Après d'un côté j'ai été obligée un peu de mixer entre Disneyland, le cirque, la fête foraine, parce que mine de rien quand tu regardes bien, bah, une fête foraine c'est à la fois tout petit et à la fois grand, et pour en faire un thème complet sur Animal Crossing, c'est compliqué, du coup je suis obligée de partager avec des inspirations d'autres choses, et je me suis dit que le cirque ce serait plutôt cool, et je pense que les deux autres lieux ce sera tout simplement l'endroit où je ferai des représentations, un petit peu des répétitions du cirque. Alors je sais que maintenant les animaux sont interdits dans les cirques, mais j'ai décidé quand même de mettre la maison d'un lion et de faire participer un lion à ça, en mode vu qu'on est dans un pays d'animaux, tu vois, il est totalement là de son plein gré et il kiffe faire l'animation dans le cirque. Sa petite cage, oh, j'avais oublié que le jeu se mettait en veille des fois, tu vois, je parle trop. Le seul problème c'est que sur ma carte, il n'y a pas énormément de d'eau comme vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez le voir aussi, c'est une carte qui est très symétrique. Partir comme sur un projet de Disneyland, j'ai regardé un petit peu les plans et la base de Disneyland est assez symétrique. On a une grande parcelle sur le côté droit de l'île sur laquelle je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Bon, c'est la maison fantôme avec le train fantôme et tout. Donc il faudra que je fasse un espèce de parcours et tout avec ma maison tout en haut. Je sais pas comment je vais me débrouiller encore, mais je pense qu'il y a des choses qui sont très faisables. Et sur le côté, on avait dit un petit peu tout ce qui était manège à tasse. Enfin voilà pour ce qui est de la carte. Hein. Moi je vais retourner sur mon jeu. Ouais, comme vous voyez, la carte n'est pas vraiment forcément aux bonnes proportions. En plus, ce qui est bien, c'est que sur cette île, c'est mon île du DLC. Donc ce qui fait que je pourrais changer les maisons un petit peu comme bon me semble. Parce que vous voyez, la maison d'Estrella, elle est sympa. Mais en même temps, dans un thème cirque, pourquoi pas, mais en même temps, pas trop. D'ailleurs, je me demande bien à quoi pourrait servir Estrella dans ce... Elle pourrait travailler au cirque. Mais de ouf, madame! Je vais mettre votre maison au cirque, en fait. Genre une funambule ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, il faudra que je fasse en sorte de représenter, de faire un trou dans mon île pour faire des espèces de gradins avec le cirque au milieu. Eh, ça peut être une très bonne idée, ça. Ça évitera de faire un petit peu comme ce qu'on voit très souvent sur, sur Instagram. Attendez, je vous retrouve sur Pinterest, d'ailleurs. Pareil, ça, je vous ai fait une vidéo sur l'application il y a quelques jours. Je vous la mettrai dans le petit i. Et généralement, vous verrez que les cirques dans ACNH sont un petit peu représentés... de cette façon, voilà, donc c'est à dire que c'est des cirques sur lesquels tu peux pas forcément rentrer, et moi j'aimerais bien représenter bien évidemment ceci, mais à l'intérieur faire une rampe dans laquelle on descend et dans laquelle vraiment je pourrais faire les gradins avec vraiment le cirque au milieu. D'ailleurs je suis en train de regarder un petit peu parce que je vois qu'il y a des petits motifs et tout qui pourraient m'intéresser. Là pareil vous voyez c'est un cirque encore une fois plein. Mais pareil, il est sympa au niveau de la représentation et tout aussi. Bon après les phares c'est peut-être pas forcément l'objet le plus cool pour représenter ça aujourd'hui. Ici on a un exemple de parade aussi. C'est vrai que... Devant les attractions il faudra qu'on fasse ce genre de choses, c'est-à-dire vous savez les queues comme on a un peu à Disneyland.
pour meubler l'espace, parce que le problème c'est que si j'essaye vraiment de faire un peu comme une fête foraine, c'est-à-dire fête des loges, notamment pour ceux qui connaissent, c'est une fête foraine qui est assez connue, donc je pense que certains d'entre vous devraient avoir la ref, mais si je fais un peu comme ceci, je pense que l'île va être assez vide, et c'est pas forcément ce qu'on recherche, tu vois, on est dans assez un âge, donc il faut aussi adapter au jeu Animal Crossing et ses possibilités et capacités, quitte à ce que ça fasse un peu moins fête foraine, mais un peu mixé avec autre chose. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce projet vous tente, je sais que j'avais déjà fait ça sur Animal Crossing New Leaf, pour ceux qui me suivaient à cette époque-là, j'avais fait une île qui s'appelait Woolly, qui était aussi basée sur le thème de la fête foraine, et ça me fait plaisir de revenir à un thème similaire à ce que j'avais déjà fait à l'époque, tu vois, ça me fait super plaisir. D'ailleurs aussi, on a ce genre de roues dans un CNH qui pourrait être vachement utile, je pourrais me servir de ces roues pour faire comme un attrape-peluche, vous savez, faire plusieurs étages de falaise avec plein de peluches posées dessus, et faire comme si la roue choisissait la peluche, enfin l'étage de la peluche qu'on va avoir. Après pareil, j'ai envie de représenter un univers qui sera très coloré, donc je pense utiliser pas mal les murs médiévaux qui existent en rose, en bleu et en jaune, tu vois, notamment. Il y a déjà des motifs qui ont commencé à être choisis, notamment ceci, que je trouve vraiment cool. J'aimerais vraiment en fait afficher dans mon entrée, tu vois. Faire vraiment des grandes portes, en plus maintenant on a les arches féeriques qui sont incroyables, et j'aimerais vraiment faire une falaise marquée Carnival tout en haut. Mais le problème c'est que je pense faire mes propres motifs, même si je suis une bille en termes de création de motifs, parce que le fond blanc comme ça me plaît pas. Après pareil, là on a commencé à prendre des motifs pour faire des food trucks, pour faire un tir à l'arc ou un truc comme ça, pour le train fantôme. On a aussi récupéré des motifs de stand, ceux-ci qui sont tout simplement des fléchettes avec les ballons, etc. On a des confettis qu'on mettra un petit peu partout par terre, et pareil, si vous avez des motifs à me proposer, n'hésitez pas à mettre les codes dans la description. Je sais pas s'il y a déjà certains d'entre vous qui ont déjà fait un thème fête foraine, mais j'ai pas encore trouvé le reste, comme vous pouvez le voir. Après, ceci, à la limite, je pense que je pourrais peut-être les réutiliser. D'ailleurs, à savoir que la plupart de ces motifs, vous pouvez les retrouver sur mon Pinterest, dans l'épingle fête foraine qui sera dans la description. Je sais pas si j'aurais mis les codes en description, je vais essayer de le faire, parce que globalement, pour le moment, il y en a pas énormément. J'ai aussi pas mal de panneaux photos pour faire comme des petits stands de glace, des petits stands là de pêche à la ligne, faire un théâtre de marionnettes. J'ai aussi ceci que j'ai déjà chopé pour faire un cirque. J'ai aussi cela que j'ai chopé pour faire une fausse grande roue, même si je sais que maintenant on a l'objet qui est directement représenté dans le jeu. J'ai pas pensé, mais dans mon histoire, j'ai pas mis la trappe peluche. Je pense qu'on mettra ça sur le coin de la carte où il y avait rien du tout, de faire une grosse zone d'attrape-peluche. Enfin, voilà, comme vous pouvez le voir, l'île, elle est vraiment au tout début de sa création, et je sais que vu que j'ai sollicité pas mal d'aide sur Twitch, enfin j'ai fait pas mal participer en termes de recherche de coins, de recherche de motifs, etc. Mais je me dis que j'aimerais bien aussi le faire avec vous sur YouTube, que vous puissiez, nous donner un petit peu vos coins que vous espérez pour ce thème. Parce que voilà, je me suis aperçue qu'en fait mon île thème enchanté, bah en fait elle est pas finie, mais bon voilà, elle est quand même bien avancée, et on a fait que 3 vidéos ensemble sur YouTube, donc ça fait vraiment très très peu. Donc là pour le coup j'aimerais un peu plus vous faire participer, voilà, dans l'espace commentaire tout ça, et voir un petit peu si vous avez des idées sur YouTube. En tout cas, écoutez, moi j'espère que ce thème il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes, ça fait toujours plaisir. Moi j'attends vos retours vivement dans les commentaires, parce que je vous avoue que le thème fête foraine c'était un thème que j'avais très envie de faire. Voilà, je suis très ambiancée, j'ai déjà des idées et tout, mais c'est un thème à la fois qui m'angoisse parce que je le trouve pas forcément aussi simple que le thème enchanté, en plus tout en sachant qu'il est assez restrictif, même si avec la mise à jour 2.0 on a eu beaucoup de nouveaux objets, notamment tout ce qu'on peut trouver au Nook Shopping et d'autres choses. Par contre, la seule chose que vraiment je n'ai pas très envie de faire, je vous avoue, c'est un château comme à Disneyland, parce que là pour le coup ça ressemblerait trop à Disneyland et je trouve que ça en perdrait un petit peu son côté fête foraine. En tout cas, moi j'attends vos retours, voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours super plaisir, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très très vite, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Twitch si ce n'est toujours pas fait. Je tiens à vous le rappeler, mais vraiment on passe de très bons moments là-bas. Se créer un compte, c'est totalement gratuit, et pour me suivre, c'est le petit cœur. Et puis au moins vous êtes quasi sûr d'avoir du Animal Crossing quasiment tous les jours. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Ciao, bye bye tout le monde.